Bonsoir, merci Goubam d'être venu animer ce début de conférence de presse. Vous pourrez les retrouver au Festival Alternative. Et je vous remercie, vous, d'être venu y participer. On va commencer par vous présenter comment ce projet est né, comment il a évolué, quelles sont ses valeurs, ses objectifs, et où est-ce qu'on en est maintenant. Ensuite, Céline et Marco feront un intermède musical. On poursuivra en vous présentant les soutiens qui ont rendu ce festival possible. On aura une petite présentation du Conseil des jeunes par son président Lucien Agas. Nadia Ritz vous présentera ensuite la communication qui a été mise en place autour d'Alternative. Nous finirons ensuite par les questions, donc on vous laisse garder les questions que vous aurez pour la fin de la conférence. Et un apéro vous attendra, ainsi qu'une petite surprise explosive. Donc, je laisse la parole à Mathilde. Bonjour. Du coup, Alternative, en fait, c'est une manifestation, ça sera une manifestation qui est pour l'humain et l'environnement et qui sera le 17 et 18 septembre 2016 à Yverdon. Et puis, avant de vous expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on est maintenant, je vais vous expliquer comment on est arrivé à ce projet. Du coup, ça a débuté un peu tout bêtement dans la cour de récréation du gymnase. Mathias et moi, on discutait un peu de tous les problèmes qui nous entourent. Enfin, on écoutait un peu ce qui se passe. On apprend par exemple que le citoyen suisse moyen consomme environ 2,8 planètes par année. On découvre aussi la finitude des ressources de la Terre. L'eau douce devient de plus en plus rare. Les énergies fossiles tendent à disparaître et les tonnes de déchets d'emballage et de nourriture. Les gaz à effet de serre augmentent avec la pollution automobile ou encore l'élevage intensif. Et puis déstabilise beaucoup d'écosystèmes, dont le principal, notre planète Terre. Donc aussi, en parallèle, nos sociétés, elles sont un peu, on les trouve basées sur une logique un peu productiviste qui rend un monde pas vraiment humain, enfin déshumanisé ou comme ça, qui empêche qu'il y ait vraiment des liens entre les humains. Et du coup, des conditions de vie plus belles, plus dignes, plus intéressantes pour la Terre et les humains. Donc voilà un peu un résumé des choses qui nous dérangent en fait quand on observe notre monde et du coup dont on a pu parler. Du coup, mais alors comment nous on voit le monde, donc quelle est notre vision, donc en lien avec nos valeurs. Du coup, pour aller à l'essentiel, ce qu'on est plutôt pour, enfin ce qu'on privilégie, c'est plutôt le respect, un respect conscient de la Terre et aussi de l'humain. Donc on cherchait à mettre aussi en valeur le pouvoir individuel de chacun, puis l'importance des engagements qu'on peut faire à toute taille et de toute origine. Et puis, évidemment, on cherchait aussi à privilégier la solidarité, puis de créer des liens. Et puis, forcément, une conscience environnementale, donc le choix d'un mode de vie plus simple, d'une consommation plus responsable et éthique. Et puis aussi, on pense que cela, c'est possible dans la cohérence, donc d'essayer d'être le plus cohérent possible, même si parfois c'est difficile. Donc la responsabilité individuelle et puis également la tolérance. Du coup, avec Mathias, on était là avec toutes nos idées et puis nos belles idées, etc. Mais on se dit, on entend parler des problèmes, etc. Et c'est important parce que ça permet aussi une prise de conscience. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rendre... pouvoir faire bouger un peu les choses et tout, rendre ça concret. Nous, on avait envie de mettre notre énergie et notre temps pour amener un petit bout de changement. Du coup, comment rendre tous ces rêves concrets vivants. Du coup, on a eu l'idée justement d'une manifestation qui pourrait fournir de l'information et aussi montrer les solutions qui sont existantes et puis par chez nous pour garder l'idée du local. Et puis aussi, rendre les participants actifs. Du coup, les thèmes, ça irait de l'éco-construction, la nourriture responsable, les produits de nettoyage et de soins aussi, ou encore la santé et ou encore l'éducation, enfin tous ces thèmes qu'on est amené à connaître au quotidien et puis qui peuvent être améliorés. Du coup, ce qu'on voulait faire, c'est au travers de conférences, projections, mais aussi des stands et des ateliers pour vraiment bien montrer, si vous voulez, la pluralité de tous ces domaines où on peut amener du changement pour montrer qu'il y a d'un côté un aspect peut-être plus réflexif, dans l'intellectuel, puis un côté qui peut être très bien amené dans l'artisanat, enfin faire plus dans l'action, dans l'artisanat. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que Mathias, il me parle du Conseil des jeunes dont il fait partie.
Donc, c'est un organisme qui soutient les jeunes dans leurs projets de dimension culturelle et sociale. Enfin, Lucien va vous en parler après. Et avant d'aller présenter notre projet, on a dû affiner un peu les grandes lignes, trouver ce qu'on allait faire, puis trouver un nom, donc alternative, avec le Y et le V de Yverdon. Voilà, pour montrer un peu des façons de faire différentes. Et du coup, après, on est allé présenter notre projet au Conseil des jeunes et il a remporté vraiment beaucoup de succès et d'enthousiasme, et donc presque à l'unanimité, enfin à l'unanimité, je crois. Et du coup, on a trouvé environ 20 jeunes qui étaient super motivés à nous rejoindre et puis rejoindre l'équipe. Donc ça, c'est grâce au Conseil. On a aussi des jeunes qui ont entendu parler du projet grâce à des amis, puis que rejoindre le Conseil grâce à l'alternative. Du coup, c'est un peu un échange aussi, c'est chouette. Et du coup, après, c'était une belle dynamique, etc. Et puis, on a vraiment commencé à travailler en janvier 2016 et, avec plein de choses qu'on n'a jamais fait. Donc, c'était une grande découverte entre les dossiers, les budgets à faire, la recherche de sponsors, la publicité, etc. L'élaboration de programmes pour créer l'essence du festival, la location, les demandes, etc. Enfin, c'était vraiment une grande aventure comme ça dans l'inconnu. Et du coup, maintenant, je vais vous parler un peu des objectifs qu'on a pendant le festival et puis ce qu'on a envie de créer après. Du coup, pendant le festival, on aimerait que chacun puisse découvrir une information et puis qu'il puisse avoir une réflexion et puis qu'il puisse voir justement les solutions qui sont mises en place autour de chez nous et puis qu'il puisse également mettre la main à la pâte, donc grâce à des ateliers, etc. Et puis ce qu'on aimerait créer pendant le festival, c'est aussi une atmosphère de convivialité, enfin, qu'il y ait des échanges, pas que chacun soit dans son coin comme ça, mais que là on puisse échanger nos découvertes qu'on fait, les réflexions qu'on a. Donc ce qui est chouette aussi, c'est que c'est tout aussi des découvertes pour les membres de l'équipe, et donc ça va dans les deux sens. Ensuite, pour après, on aimerait beaucoup qu'il y ait quand même qu'il y ait un impact, ça nous tiendrait à cœur, mais après c'est le choix de chacun, mais qu'il puisse avoir un impact chez les gens, donc que chacun puisse repartir avec le sourire, puis des idées dans la tête, puis une envie au cœur, voilà, et puis qu'il puisse contribuer s'il veut de sa manière à faire bouger un peu les choses. Donc je vous laisse avec cette petite citation de notre ami existentialiste Jean-Paul Sartre, agir c'est modifier la figure du monde, voilà. Alors, je vais vous parler de où on en est maintenant, en fait. Donc, en ce moment, le groupe de projet est composé de 26 jeunes. On est réparti en 7 équipes, donc on a la coordination, la communication, les bénévoles, la logistique, la restauration et la recherche de soutien. Il y a environ 1 à 2 réunions par semaine, en tout. Et on se voit très régulièrement avec vraiment tout le monde pour mettre les choses au clair et savoir vraiment où on avance. Ces derniers mois, on rentre vraiment dans le côté pratique du festival, on finalise les derniers points administratifs. Le groupe communication planche sur la décoration du festival, je laisserai Nadia vous en parler plus tard. Concernant les intervenants, il y aura une réunion avec tous les intervenants cet été. La programmation sera dévoilée en août, mais on peut déjà vous annoncer la présence de Monsieur Masselet, qui passe régulièrement à l'émission Monsieur Jardinier de la RTS, pour ceux qui la connaissent. Il y aura une conférence de l'éco-psychologue Michel-Maxime Egger. Et pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, le film Enquête de sens, Nathalie Coste et Marc de la Ménardière, sera projeté pendant le festival. Il y a des associations comme Universel, qui est un réseau de troc et d'échange de services, qui feront également partie du festival. Il y aura aussi des stands qui vous montrera entre autres comment réaliser des produits d'entretien qui ne polluent pas vous-même, des cosmétiques, ce genre de choses. Il y aura aussi des stands de producteurs de restauration locale, une 20aine de stands au total, des conférences, des projections de films, des groupes de musique, et tout ça, ce sera les 17 et 18 septembre. Donc. Concernant l'emplacement du festival maintenant, on a choisi la place Pestalozzi et le château. Bah, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour pouvoir amener nos idées en fait, au cœur de la ville, vu que c'est un petit peu le centre historique de la ville d'Yverdon. Voilà, on a eu une visite il y a quelques jours au château en fait, pour pouvoir voir comment bien l'exploiter, où installer les stands, comment installer la décoration, et du coup il y aura un plan
vraiment détaillée de la manifestation qui va sortir ces prochains mois. Voilà. Avant de passer à la suite, je vais laisser Céline et Marco vous présenter L'Iris et la Rose de Renan Luce. On a choisi cette chanson, en fait, L'Iris et la Rose de Renan Luce. En fait, c'est une chanson qui parle des petites choses, en fait, de la vie qu'on oublie un peu, en fait, aujourd'hui, et des choses simples, donc qu'en fait, on remarquait quand on était un peu enfant et que maintenant, on n'arrive plus, en fait, à voir et à se satisfaire, en guillemets, de ces petites choses. Et cette chanson, justement, elle parle de revenir à des choses un peu plus simples pour être heureux, en fait, tout simplement. Voilà. S'envole, se pose, butine, et l'image cogne à ma rétine. Mais déjà mon regard est loin, je ne sais plus voir le quotidien. J'aimerais me réveiller sans mémoire, redécouvrir ce que je peux plus voir. J'ai écrit une petite annonce, à moi déjà, pas de réponse. Cherche regard neuf sur les choses, cherche Iris qui n'a pas vu la rose. Je veux brûler encore une fois au brasier des premières fois. Je veux revoir ma première fleur, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle meure, et découvrir une flaque d'eau comme une porte pour descendre en haut. J'irai dimanche à Orly-Sud voir le métal. Joignant mes pouces, je verrai mon ombre lui faire la course. Cherche regard neuf sur les choses, cherche Iris qui n'a pas vu la rose. Je veux brûler encore une fois au brasier d'une première fois. Sentons les sons comme prise au piège, je deviendrai mes premières neiges. Battant des mains comme un enfant, je m'entendrai rire et c'est tout blanc. Je veux poursuivre des nuages noirs au grand galop sur les trottoirs. Sous la tourmente, au mur du vent, les parapluies deviennent vivants. Cherche regard neuf sur les choses, cherche Iris qui n'a pas vu la rose. Je veux brûler encore une fois au brasier du premier. J'ai croisé sur mon chemin de grands yeux bleus, de blanches mains. Ces menottes ont pris mes poignets,
et ce sont ses yeux qui m'ont soigné. Puis se sont ouverts un grand avion a fendu l'air, a déversé ses doux flocons. Tout était blanc, tout non. À nos pieds brillait quelque chose, et mes yeux ont reconnu la rose. Et j'ai brûlé tout contre toi, au brasier d'une première fois. De nouveau, merci à Céline et Marco pour cet intermède. Maintenant, je vais vous parler justement des personnes qui font que ce festival peut avoir lieu. Donc, je vais vous parler de l'aspect financier, Mathilde, de l'aspect pratique, enfin logistique. Donc, le festival Alternative, actuellement, on a un budget d'environ 28 000 francs. Ce festival ne pourrait pas voir le jour sans le soutien financier d'une part de l'Agenda 21, qui nous subventionne à hauteur de 11 000 francs, et de la Société de protection de la jeunesse, qui s'élève, lui, à 10 000 francs. Le reste du budget est complété par le Conseil des jeunes. Je vais laisser Mathilde vous parler maintenant de ceux qui nous soutiennent au niveau de la logistique et de la mise en place du festival. Alors, pour les lieux, on remercie beaucoup le château et puis les chandales de nous donner la disponibilité de ces lieux. Puis la ville aussi qui nous assure la gratuité de pas mal de services. Sinon, les partenariats qu'on a, déjà avec le gymnase qui fait des actions pour, qui s'appelle le gymnase durable. Donc, un professeur s'occupe de superviser des élèves qui viendront présenter leurs travaux en lien avec tout cela. Donc voilà, ils seront présents. Sinon, le conseil des jeunes, comme déjà évoqué. Le GECOS aussi, qui nous soutient avec des conseils qui peut vraiment nous aider. Sinon, on a le partenariat de la bibliothèque qui va faire une activité le mercredi d'avant le festival en lien pour les enfants, en lien avec ces thématiques, donc un film et une activité. Et puis, on a aussi le cinéma Bel Air. On est en train d'organiser la projection du reportage Tout s'accélère, de la projection Kamehameha, qui est aussi réalisée justement en quête de sens. Et il va venir en avant-première, du coup, pour ouvrir le festival. Ce sera le vendredi avant le festival à Bel Air. Du coup, on les remercie de nous aider à réaliser tout ça. Et sinon, on a aussi des soutiens d'organisateurs qui nous ont un peu aidés dans ce domaine de l'organisation, comme Léa Romanence, par exemple, qui s'occupe de l'amalgame, puis qui dirige aussi l'organisation du 1er août, ou encore le soutien de Markit. Donc voilà, c'est un peu les soutiens qui peuvent nous aider à réaliser tout ça, et on les remercie beaucoup. Du coup, maintenant, je laisse Lucien présenter le conseil des jeunes. Du coup, bonjour. Pour présenter le Conseil des jeunes au mieux, c'est très bien en fait que ce soit dans le cadre de ce projet alternatif, parce que le projet alternatif, à mon sens, c'est celui qui représente le mieux en fait le Conseil des jeunes. En fait, c'est très simple. C'est deux amis, deux personnes. Une personne qui faisait partie du Conseil des jeunes déjà avant, et Mathilde, qui ont eu une idée. Ils ont appris que le Conseil des jeunes existait, ils sont venus, ils ont présenté leur idée, l'idée a été acceptée, et ils y sont allés. Et maintenant, il y a, comme l'a dit Mathias avant, 26 jeunes qui sont impliqués dans ce projet. Il y a beaucoup de jeunes du Conseil des jeunes, mais également d'autres personnes. Donc en fait, le Conseil des jeunes, c'est exactement ça, c'est une plateforme pour les jeunes de la ville qui leur est utile en fait à réaliser, à rendre concret leurs idées, leurs projets, leurs envies, etc. etc. Et pour ça, le festival alternatif, c'est, c'est,
C'est parfait. Voilà, c'était parfait. Maintenant, si on va plus dans le détail, le Conseil des jeunes sert aussi à former, au final, les jeunes, à leur donner une expérience, à leur donner la possibilité de réaliser quelque chose de concret et du coup, en fait, de travailler à la réalisation de cette chose. Avec le festival Encore Alternative, je prends toujours cet exemple parce qu'il est très bien, avec le festival Alternative, au final, ces 26 jeunes ont eu l'occasion de faire énormément de choses. Je pense que vous avez tous plus ou moins l'idée, une vague idée de ce que ça peut demander comme effort et comme connaissance la réalisation d'un festival. Mais en passant par la communication, la gestion des infrastructures, des lieux, les demandes de soutien, tous les contacts avec les partenaires, la gestion des bénévoles, etc., etc., c'est toutes des choses qui sont utiles pour les jeunes, pour leur avenir, en fait. Et c'est toutes ces choses que, dans un projet du Conseil des jeunes, on partage justement avec les jeunes. On leur donne la possibilité de justement s'entraider, de partager entre eux et d'acquérir des connaissances. Je suis désolé. Cette année, en 2016, le Conseil des jeunes, justement avec le projet Alternative, ça fait un petit boom quand même. On a eu pas mal de nouveaux membres qui sont arrivés et du coup, on a pas mal de projets aussi qui ont soit vu le jour ou soit qui ont été repris, des projets qui avaient été mis de côté durant les dernières années, mais on a beaucoup de projets qui reviennent. Donc cette année, on a la chance, on compte environ 10 projets pour le Conseil des jeunes. 10 projets qui partent de la création d'un festival, mais à des journées de débat. Il y a aussi donc la journée de débat qui a eu lieu il y a 2 semaines sur la place Pestalozzi. Il y a aussi la création d'un journal écrit et fait par les jeunes pour les jeunes, qui est un projet qui est actuellement en cours. Il y a toujours les soirées totem qui se déroulent à l'Amalgame. La dernière édition s'est passée il y a 3 semaines, un mois, 3 semaines, oui, qui s'est très bien déroulée avec 2 artistes, un artiste local et un autre artiste électro de la région qui s'appelle Flex Fab. C'est super bien passé. Donc vous voyez, au final, le Conseil des jeunes, c'est une plateforme qui permet en fait de réaliser des projets assez divers, au final. Maintenant, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que par année, on a le Conseil des jeunes, on a un budget de 30 000 francs environ. Cette année, on a un petit peu plus. Mais annuellement, si on se dit on va organiser un festival, on va faire ci, on va faire ça, il faut pouvoir gérer ces 30 000 francs. Et pour ça, je dis vraiment bravo encore une fois à Mathias et à Mathilde pour avoir pris les devants directement au début pour ne pas justement s'appuyer sur le Conseil des jeunes là-dessus et de faire justement des démarches pour avoir des soutiens qu'ils ont réussi à avoir. Et pour ça, enfin, vraiment bravo, parce que c'est vraiment pas rien. 21 000 francs de soutien externe pour un projet du Conseil des jeunes, c'est vraiment pas rien du tout. Donc voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'était, comme Mathilde a dit avant dans les soutiens, c'est le GECOS qui soutient le Conseil des jeunes, qui aide, qui accompagne le Conseil des jeunes en fait tout au long de l'année dans tous ses projets. C'est notre notre porte ouverte sur la commune et ses différents services et personnalités. Donc on a Yelena Arguinol qui est là ce soir, Julien Suter qui du coup est à l'étranger en ce moment, mais qui du coup sont les deux personnes qui nous aident au quotidien pour tous les projets qu'on fait, On peut les solliciter pour envoyer des mails à des personnes qui sont peut-être un petit peu trop hautes pour nous dans la commune, on va dire ça comme ça, et qui ont justement un accès facilité à l'information communale. Donc c'est vraiment un très grand soutien. Et il y a une autre personne du GECOS qui est dans la salle, c'est la chef adjointe du service, Madame Cécile Ehrensperger. Voilà, qui depuis toujours en fait soutient le Conseil des jeunes, et je l'ai entendu à plusieurs reprises dire qu'elle était assez, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, je ne sais pas si elle avait dit exactement ce terme-là, mais fière de voir le Conseil des jeunes évoluer et du travail qui est fourni par les jeunes, par Alternative et par les jeunes en général dans le Conseil des jeunes. Donc merci pour le soutien du GECOS, de Yelena, de Julien et de Cécile. Merci beaucoup.
Alors, comme on a pu vous le dire déjà plusieurs fois, créer un festival de bout en bout, c'est pas une mince affaire. Et faire en sorte que petits et grands se laissent entraîner dans cette joyeuse ambiance et nous rejoignent pour découvrir ce qu'on y a bien préparé, c'est une toute autre chose. Pour ce faire, on a décidé d'abord de lancer une pré-com pour marquer les esprits et surtout éveiller la curiosité de chacun. C'est dans ce but qu'on a eu l'idée, lors d'une de nos nombreuses séances, de lancer un compte à rebours en attendant la lancée du site internet qui a ouvert le 1er juin dernier. Sans aucune information à propos du projet, beaucoup se sont posé les questions que nous attendions. Mais alternative, c'est quoi au juste? Dans l'optique de garder le mystère, on a aussi ouvert une page Facebook alternative, ainsi qu'un compte Instagram, tout en y laissant planer les intentions du projet. Entre Facebook et ses articles sur ce qui se fait de mieux dans la région, et puis toutes les photos qu'on a pu poster sur Instagram des séances des organisateurs, le projet il a pris vite sa place sur les réseaux sociaux, ainsi que dans l'esprit des gens, sans que ceux-ci ne savent pourquoi exactement, et qu'est-ce que ça en retourne. Toutes les personnes qui étaient connectées ou presque de la région étaient alors susceptibles d'entendre parler de notre projet. C'est ainsi que nous avons alors décidé de disperser aussi des flyers pour toucher un plus large panel de gens. Donc on a dispersé beaucoup de flyers alternatifs, munis uniquement du nom, de la ligne graphique et de l'adresse du site internet qui, bien évidemment, vous envoyait sur le fameux compte à rebours. Nous avons eu beaucoup de questionnements autour des flyers, souvent autour du projet en lui-même, parfois de la consommation d'encre et de papier. Je cite ce que j'ai pu souvent entendre. « Alternative, ça a l'air d'être un truc d'écolo, mais il ne se gêne pas de mettre des flyers en papier partout. Lol. nous pouvons éclaircir ce point. Nous sommes en collaboration avec Art Graphique K20 SA, première imprimerie suisse à avoir obtenu la marque Imprime Vert, certifiée depuis 2007. Donc cette entreprise, elle imprimera également les affiches du festival. Les affiches, elles ont été créées par Lucien Agias, qui a aussi fait les photos pour les intégrer à l'affiche. Alors sur cette photo, vous pouvez voir le modèle Valentin Pache, qui s'est très joyeusement porté garant, et Mathilde Maranda ici, Mathias Ortega, et c'est tout. donc ces affiches, elles représentent, j'espère, l'esprit du festival, autant couleurs, mélangeant humanité et nature, deux choses plus compatibles qu'on peut le croire. Évidemment, nous ne voulions pas faire non plus quelque chose qui puisse tomber dans l'écolo de base, comme certains diraient, ou bien un peu le hippie. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas un festival moralisateur, mais plus pour montrer les alternatives qui existent à ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, je vais vous laisser regarder une vidéo qui vous plaira, j'espère, qui montre bien ce que Alternative peut faire passer comme message. Je suis Andrea, Valentine, Basile, Charles, Lucien, Laila, Claudia, Mathias. Je ne veux plus épuiser les ressources naturelles de la Suisse le 18 avril 2016. Les problèmes humains et environnementaux me touchent. Je pense qu'il y a des causes qui valent la peine. Je crois que l'avenir dépend en partie de nous. Je crois qu'on peut tous faire quelque chose. J'organise un festival sur 2 jours à Yverdon pour donner accès à de l'information et mettre en lumière les solutions qui existent dans la région. Il y aura, par exemple, 3 conférences-débats menées par des universitaires, une restauration bio, locale et sans viande, et de multiples animations. J'aimerais beaucoup te voir au festival Alternative à Yverdon-les-Bains les 17 et 18 septembre 2016. Cette vidéo, elle a été aussi faite par Lucien Agas. Donc, on le remercie beaucoup parce que c'est un super travail. On a aussi une autre vidéo plutôt de type spot publicitaire.
Donc cette vidéo, elle a été montée et créée par Théo Barou. Vous aurez aussi l'occasion de la découvrir, enfin de la revoir sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de la déco. La décoration, c'est quelque chose qu'on a dû vraiment prendre en compte parce que ça prend beaucoup de matériaux de base en général. Et nous, on s'est dit qu'on allait plus faire de la décoration avec des éléments qui sont recyclés et qui pourront être réutilisés plus tard. Donc ça, c'est vraiment le but premier. Donc par exemple, on va utiliser des palettes qu'on va pouvoir utiliser par exemple comme des tables ou comme des étagères, des présentoirs, etc. On aura aussi des bâches qui ont été utilisées par certaines entreprises qui nous les fourniront gratuitement et qui pourront être réutilisées plus tard, par exemple pour des grosses manifestations comme la Gymnastrada. Au niveau de la lumière, on a déjà pas mal de chances d'avoir beaucoup de lumière sur place dans les caves du château par exemple ou dans les salles en haut. Mais tout ce qui sera en extérieur sera principalement, au maximum en tout cas, des lumières solaires à basse énergie et à moindre coût. On sera tous très heureux sûrement d'avoir plus tard chez nous. On va aussi travailler au niveau plutôt graphique avec des écoles pour essayer de voir un peu ce que les enfants y pensent de notre ville. On va leur demander de dessiner leur maison et ce qu'ils voient, quelle image ils ont de leur ville. Et comme ça pourra aussi nous montrer comment est-ce qu'ils voient tout ça et si c'est plutôt négatif et qu'il faudrait gentiment changer ou si c'est plutôt positif et se dire qu'on peut prendre exemple sur eux. Et voilà, je crois que j'ai tout dit au niveau de ça. Je me rajoute. Ah non, il y a aussi les pots. Alors ça, c'est un petit peu notre mascotte, parce qu'en fait, on a fait des pots, et ça représente comme si on avait planté une petite graine en chacun de vous, et qu'on espère que ça va faire germer, et que plus tard, vous pourrez avoir plein d'idées et plein de solutions pour agir correctement. Voilà. Bravo. Du coup, maintenant, c'est le moment des questions, en fait. Donc, si vous avez des questions, Thaïs va vous passer le micro et puis nous, on vous répondra comme on peut. Voilà. Merci. Je me lance parce que c'est toujours un peu des timides autour. Donc, il en faut un. Déjà, bravo, joli projet et puis bien présenté avec ça. Donc je suis Yago, je bosse pour la radio Nord Vaudois et moi ce qui m'intéresse forcément c'est en partie la musique. Comment ça va se passer? Alors vous parlez des concerts? Oui. Alors on a trouvé, le groupe Line Up, on a trouvé des artistes, des jeunes artistes de la région. Donc il n'y aura pas de grosses têtes d'affiches, etc. C'est plutôt, je ne vais pas vous révéler encore qui ce sera, mais ce sera plutôt des jeunes de la région qui font... leur propre musique, etc. quoi, qui sont pas dans la reprise de chansons, mais qui font leur propre musique, enfin des artistes, quoi. Ouais. Et puis voilà. Très bien. Merci. De rien. J'ai une petite question sur la durée du festival au niveau des plages horaires. Est-ce que ça aura lieu seulement en journée ou est-ce qu'il y aura aussi également des animations en soirée? Alors, le festival commencera à 10h et se terminera le samedi à 1h. On aura une dernière projection aux alentours de 18h, avec ensuite l'ouverture des concerts. Et le dimanche, on finira à 22h par une soupe collective. Une disco-soupe, si vous connaissez. Merci pour vos questions. Du coup, si vous avez vraiment plus de questions, puis on pourra en discuter après, ou il y aura d'autres moments où on pourra parler des questions. Mais du coup, on remercie vraiment chaleureusement tous nos sponsors, autant pour les lieux, enfin, partenaires, autant pour les lieux que pour le financement, autant pour les partenariats. Et puis du coup, on vous remercie aussi de votre intérêt puis d'avoir été là, puis de vous intéresser à notre projet. Et du coup, on se retrouve en août pour vous révéler le programme. Et je laisse Mathias qui va vous révéler ce qu'est notre surprise explosive. Alors,
Avant d'aller prendre l'apéro, on va vous distribuer ce qu'on vous a préparé, c'est-à-dire des petites bombes à graines que vous pouvez voir ici. Donc l'idée est très très simple. En fait, c'est des petites boules d'argile et de terreau qui sont remplies de graines de la région que nous avons fait cette semaine. L'idée est vraiment très simple. Si vous voyez un endroit, par exemple une friche dans la ville, un chantier, une rue ou même une fissure, et que vous avez envie d'y apporter de la verdure, vous n'avez qu'à lancer la boule dans l'endroit que vous voulez voir reverdir ou de la planter dans la fissure, et quelques semaines plus tard, vous aurez des petites fleurs de la région qui vont pousser dessus. Voilà. On fait une petite guérilla écologique, voilà. Voilà, merci. Merci de votre présence. Les petites bombes à graines, si jamais elles sont sur le bar de journal, enfin, juste en sortant, vous pouvez vous servir. Voilà. Ouais, merci. On tient quand même à remercier Léa de l'Échandol qui nous a assisté pour la préparation de cette conférence et l'Échandol plus généralement pour nous avoir gracieusement prêté la salle. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.